D'abord, y'a l'aîné. Lui qui est comme un melon, lui qui a qu'un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur. Tellement qu'il boit, tellement qu'il a bu. Qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus. Lui qui est complètement cuit et qui se prend pour le roi. Qui saoule toutes les nuits avec du mauvais vin. Et qu'on retrouve matin dans l'église qui roupille. Raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques. Et puis qui parle du si. Et qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, non? Prie. Car faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, non? Jamais vu un pain de Mickey méchant comme une teigne. Même qu'il donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux. Qu'a marié la Denise, une fille de la ville. En fait, une autre ville. Et c'est pas fini. Qui fait ses petites affaires avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto. Qui aimerait bien avoir l'air, mais qui a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches, monsieur. Monsieur, faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur, non? On triche. Car faut vous dire, monsieur, chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur, non? Quoi, et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre et dans son cadre en bois, j'ai la moustache du père qui mord de glissade et qui regarde son troupeau bouffer sa soupe froide. Et ça fait des grands. Oui, monsieur, ça fait des grands. Qu'on finit pas de vibrer, et qu'on attend qu'elle crève, vu que c'est elle qui a l'oseille, et qu'on n'écoute même pas ce que ses pauvres mains racontent. Non, monsieur, on n'écoute même plus ce que ses pauvres mains racontent.